Comme vous l'avez vu, je viens de me réveiller. Je me suis habillée en tenue de sport pour faire 10 minutes d'abdos. Et si j'ai du courage, je ferai du cardio un petit peu après. Là, je viens de faire du journaling. J'ai écrit des affirmations positives. Je trouve que ça aide à se réveiller et en même temps, ça me motive pour ma journée. Et faites pas gaffe à mes cheveux, ils sont vraiment trop moches. Mais j'ai laissé poser un masque cette nuit et du coup, voilà, ils ont séché en chignon. Il est 9h30 déjà parce qu'en fait ça passe beaucoup plus vite quand je filme. Donc forcément ça peut pas être le temps réel de ma morning routine, le temps de faire tous les plans etc. Donc là ce matin je sais pas, je me suis levée déterminée, j'ai fait 10 minutes d'abdos. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est une vidéo YouTube de Chloé Ting que je suivais pendant le confinement. Et après j'ai fait 15 minutes de vélo elliptique dans le salon. J'ai regardé une petite vidéo YouTube et du coup c'est passé super vite. J'ai décidé de pas aller à la salle aujourd'hui. La salle elle est pas toute proche de chez moi, enfin elle est à 15 minutes en voiture. Et je sais que j'y vais déjà demain, après-demain et en fin de semaine. Là, je vais prendre le temps de manger et ensuite, je vais aller à la douche. Je vous retrouve dans ma chambre. Je vais tout d'abord appliquer ma crème hydratante. Celle-là, elle est cool. Elle hydrate bien et il y a de la crème solaire dedans. Même si c'est juste SPF 25, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, mon mascara. En ce moment, j'utilise celui-ci. Je crois que je l'avais eu en cadeau. J'en ai aucune idée d'où il vient. J'essaye de le finir. Ensuite, pour le fond de teint, j'utilise celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai à chaque fois que je le rachète. Il couvre bien, mais pas trop. Mais il fait un effet très naturel sur la peau. Ensuite, en poudre, je mets celle-ci. Et l'highlighter, c'est un Kiko. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Il a même pas bougé. Là il est 10h45, je vais pouvoir commencer ma journée entre guillemets. Forcément là je la commence un peu plus tard que d'habitude parce que je vous ai filmé les habitudes que j'aime bien avoir le matin. C'est des petites choses toutes simples que j'ai mis dans ma routine, comme par exemple les affirmations positives. Ça vous prend vraiment 5 minutes même pas et ça change complètement votre état d'esprit pour le reste de la journée. En tout cas je trouve personnellement que c'est le cas. Le sport j'en fais pas tous les matins, des fois je vais à la salle. En vrai là ma séance c'était que 25 minutes donc en soi ça me réveille et après je suis fière de moi. J'avais déjà préparé ma tenue de sport donc en fait je me suis pas laissé le choix ce matin et on me demande souvent comment j'arrive à être motivée par rapport au sport. Déterminez les séances que vous voulez faire dans la semaine à des heures le plus précises possible et vous vous laissez pas le choix tout simplement. Je le répète encore une fois mais il n'y a pas besoin de motivation pour faire du sport, il suffit d'être discipliné. C'est la discipline qui fait tout. Il y a des matins je préfère faire du yoga. Je l'ai jamais dit je crois sur YouTube mais j'ai une scoliose. J'ai porté un corset pendant 2 ans quand j'étais au collège et j'ai trouvé sur YouTube du yoga exprès pour la scoliose. Donc ça c'est génial quand j'ai fait par exemple une journée entière où je suis assise, où j'ai fait du montage, je suis à mon bureau. Le soir, 10 minutes. Si vous voulez, je vous mettrai un exemple de vidéo en barre d'infos. Une fois que j'ai fait tout ça, l'étape petit-déj, l'étape douche, je vais bien évidemment faire ma to-do list. Donc ça, c'est soit je le fais la veille, soit je la prépare le matin, juste avant de commencer à bosser. Mais dans tous les cas, je fais pas genre, je fais vraiment des to-do list tous les jours. Ça me permet de vraiment savoir ce que j'ai à faire dans ma journée. Donc là, par exemple, on va faire la to-do list du jour ensemble. Donc déjà, j'ai un mail à faire à mon agent. J'aime pas trop dire agent, ça fait vraiment prétentieux. En gros, je crois qu'on les appelle les talent managers. Si vous ne le savez pas, je suis dans une agence, donc j'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui est contrat avec les marques, négociations et toute la paperasse en fait, tous les trucs chiants, c'est lui qui fait. Donc là j'ai une facture à lui renvoyer pour une marque et aujourd'hui c'est ma journée tournage de la semaine. Je m'étais organisée comme ça déjà la semaine dernière. En gros là je vais filmer 3 vidéos aujourd'hui, comme ça le reste de la semaine je fais du montage et j'écris les prochaines vidéos à tourner. Des fois c'est pas possible parce que quand c'est des vlogs c'est plus compliqué, c'est même impossible. Donc là en vidéo à tourner j'ai celle-ci, une vidéo ask et un room tour de ma chambre.
J'ai des cadeaux pour un anniversaire à gérer aussi aujourd'hui. Et également, mais ça je pense que je le ferai fin de matinée. Vu que je vous ai enfin sorti la vidéo sur le fait que je m'étais réinscrite sur Parcoursup, je vais pouvoir vendre mon code civil, mon lexique juridique. J'ai 3 livres de droit qui m'ont vraiment coûté cher. Vraiment, ça coûte trop cher de faire du droit. Heureusement qu'il y avait le pass culture, mais du coup, en soi, mes livres ils sont neufs. Ils n'ont pas été énormément utilisés, donc je vais les mettre en vente sur Vinted. Donc voilà, pour tous ceux qui se demandent ce que je fais de mes journées, vu que je suis revenue chez mes parents, je fais de la création de contenu en vrai. Mais je prends également du temps pour moi. Il y a des journées où je ne vais pas du tout bosser pour YouTube. En vrai, c'est rare parce qu'il y a toujours un petit truc à faire. En fait, je suis un peu en vacances. Donc voilà, je profite. J'ai pas vraiment l'impression que je bosse quand je fais YouTube. Clairement, je peux bosser dans mon lit, donc pour moi, c'est pas un travail. Même si ça demande du temps et tout, c'est juste que j'aime faire ça. Donc je pense que vous avez compris. Je vais commencer ma to-do et j'aimerais bien vous montrer l'application que j'utilise pour planifier tout ce qui est vidéo, collab et tout. J'utilise Trello. Je l'ai sur mon téléphone, mais je vais plus vous le montrer sur mon ordi. Je flouterai s'il y a du spoil, parce qu'en vrai j'ai vraiment prévu des vidéos jusqu'à fin août, même début septembre. C'est très grave, j'ai trop d'idées. Donc voilà mon application pour planifier toutes mes vidéos. Donc en gros, vous avez toutes mes idées. Là, c'est toutes mes vidéos. Donc quand je coche, c'est que c'est sorti. Donc tout ce qui est vert, c'est déjà disponible sur ma chaîne. Ou du moins, c'est ce que j'ai fini de filmer et tout. Et donc ici, voilà, on voit les petites planifications. Là, c'est les collabs. Mais sachant que celle-là, elle est plus d'actualité. On avait fait cette colonne avec mon agent pour toutes les marques qu'on avait à contacter. Mais ça date du coup de l'été dernier. Parce que maintenant, on n'utilise plus cette colonne. Et il m'avait mis ici des profils de YouTube. YouTubeuse inspirante. Bon, du coup voilà, je vais mettre en vente ces 3 livres. Donc celui-là il m'a coûté 20 euros. En gros c'est tout le lexique juridique, mais en fait ça sent encore le neuf. Donc voilà, le code civil 22 euros, il est énorme. Si on peut se rendre compte de l'épaisseur du truc, pareil, il sent le neuf. Il va me falloir des big cartons pour ça. Et ça c'est un truc de droit privé que le prof nous avait demandé d'acheter. Tout son cours c'était le livre. En gros c'est vraiment la base du droit privé du premier semestre. Voilà, 16,50. Je les ai jamais annotés ni rien. Et je suis très contente de ne pas avoir fait ça, parce que comme ça bah, je peux les revendre aujourd'hui. Donc voilà, là je vais faire les photos, les mettre sur Vinted. Je vais faire ça. Comment j'étais habillée aujourd'hui, vraiment très très simple vu que je reste chez moi. J'ai mis un t-shirt comme ça que j'ai noué ici. Il vient de chez Pull & Bear, c'est un t-shirt tout noir basique. Et mon pantalon c'est un bas de costume avec des petites rayures blanches. Je sais pas trop si on voit. Lui c'est un Bershka il me semble. Du coup là il est midi et demi, je vais aller faire ma pause du midi. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais du coup vu que je suis en sèche, je vais pas faire des folies non plus. Et ensuite cet après-midi j'ai 2 tournages et une collab à éditer pour que la vidéo parte en vérification. C'est une journée très très productive aujourd'hui. Du coup là on a concombre, ça c'est un restant de pâtes et petits pois, salade, et ça c'est des nuggets végés au soja, et en dessert, compote. Je vais manger et je vais regarder une petite vidéo YouTube.